Bonjour à tous et à toutes, c'est Hicho. On se retrouve pour l'épisode 2, donc enfin le jour numéro 2, où c'est notre dernier jour, on reste pas la nuit, on reste jusqu'à 17h. Donc je vais un peu vous montrer un peu autre chose que je vous ai montré hier. Donc on va essayer de voir les parades, les personnages et faire plein d'autres choses. Moi j'ai le kit complet avec mon bébé Yoda et Marie. J'adore avec le bouche des oreilles. Désolé, mais quand on va à Disney, on fait pas les choses à moitié. Du coup, ouais, on a passé une super bonne nuit. Franchement, c'était vraiment trop bien. J'ai même plus envie de partir. On a eu du mal à se lever. Donc, franchement, au top du top, cet hôtel. Je recommande. Au top. Un peu cher, hein, évidemment, mais bon, il vaut le prix. Hein. Franchement, il est au top. Donc, du coup, là, on va aller. Toi, prendre un petit déjeuner. On va faire le tour, du coup, de l'hôtel. Et je vais vous montrer tout l'hôtel. Du coup, bah, comme promis, du coup, on vous montre un peu l'hôtel Marvel. Tous les dessins en gros plan. Après, du coup, bah Iron Man. Après, toujours pareil, on a ça. Je fais un peu de tour. En tout cas, franchement, il est magnifique. Hein. J'ai rien à dire. Là, vous pouvez découvrir. Les gants de Iron Man avec les 5 pierres d'infinité. Franchement, en plus, il y a le prix en plus. Là, il y a l'Launchfly de Spider-Man, Iron Man, l'Launchfly de Captain Marvel. 200 euros pour le moment. En tout cas, c'est magnifique. J'aime bien celle de Blackpool. Celle de Blackpool? Ouais, ah ouais, elle a bien faite. Là, il y a Black Widow. Toujours pareil avec quelques petites figurines. Avec le prix, parce que vous pouvez les acheter si vous voulez. Quand même, hein. C'est pas mal. Avec l'affiche. Ton anniversaire, tu veux ça? Ah ouais, quand même. Réplique de la hache électronique Stormbreaker de Thor avec des effets sonores. Bah, 250 euros, j'espère que ça fait des effets sonores. Hein. Avec Black Widow. Du coup, on rentre un peu dans l'hôtel. On va un peu vous laisser découvrir. On va aller à gauche, du coup, vers direction les conventions. Là, c'est pour les gens qui veulent prendre des photos. Et du coup, on va vers les conventions, centre de réception, Empire State Lounge. Normalement, c'est à cet endroit-là qu'on découvre tout ce que propose l'hôtel. Du coup, là, vous pouvez découvrir des répliques de livres qui sont super connus, Marvel. Et du coup, voilà tout ça. Le futur, du coup, endroit Avengers qui est en train d'être en travaux. Donc, on a hâte de voir ça. Hein. En tout cas, je pense que ça va agrandir le studio surtout. Ça va agrandir le studio, ça va être grand. Oh, puis c'est magnifique, on voit bien le détail. Et là, je suppose que c'est pour aller voir du coup Spider-Man. Donc on va montrer tout. Convention Center, ouais, ça doit être pour. Ouais, c'est l'hôtel. En Californie, elle a été transformée en Gardien de la Galaxie. Ouais, Gardien de la Galaxie, mais ça va devenir quoi? Donc ça veut dire qu'il faut que je le fasse. Ouais, pour les gens qui ne savent pas, il faut réserver pour ceux qui veulent faire les trucs de. Les trois animations de Marvel, il faut réserver à l'avance sur l'application ou sur place avant que vous arriviez à l'hôtel. Sinon, bah, vous ne pouvez pas y aller. C'est vraiment une activité réservée aux ceux qui sont à l'hôtel Marvel. Mais quand on ne sait pas, c'est nul quoi. Donc du coup, là, si on le faisait, on réservait maintenant, on n'était pas avant 9h30. Vu que c'est notre dernier jour et qu'on arrive une demi-heure avant tout le monde, ou même une heure avant tout le monde, on voulait vraiment profiter du parc. Donc, bah tant pis, on le fera pas. Et au moins pour les prochaines fois, on le saura.
As-tu quelque chose à dire pour ta défense? Non. Non. Mais bon, voilà, on va faire le parc. Donc on a une petite trotte, comme je vous ai montré hier. Et on va se balader comme ça, on va se faire plaisir. Je viens de faire la Twilight Zone et je pense que je le referai plus. Et du coup là maintenant on va aller voir les Heroic Experience et Olaf, on va essayer de prendre des photos avec les gens et faire un peu autre chose que ce qu'on a fait hier. Et puis s'il y a quoi que ce soit, je vous filme ça. A tout de suite. Du coup, on a fait les photos avec Black Widow et Black Panther. Il y a des blacks partout. Donc du coup, franchement, trop content. Elle est trop contente. Du coup, on sort. Là maintenant, elle veut faire Olaf. Alors, on va faire des gros câlins. Il y a des trucs là aussi. Même quand il fait pas beau, le Disneyland Hotel, il est toujours aussi parfait. Du coup là on a fini, du coup on va voir Olaf, voir les Marvel. Du coup maintenant on va au parc principal parce que bientôt on s'en va. Donc on va aller manger au Hakuna Matata. Et après on va aller faire deux dernières attractions, Peter Pan et Blanche-Neige. Et voir si on peut faire encore la parade et voir les personnages. Et voilà, je vous partage ça de suite au restaurant Hakuna Matata parce que là on a faim. Je suis toujours aussi impressionné par les 30 ans là. Le médaillon là, c'est quand même magnifique. Hein. Franchement, je suis trop content. Ah, il y a Marie Poppins. Ah, je crois qu'il y a la parade. Où est-ce qu'elle est, Marie Poppins? Ah, il y a Marie Poppins. Alors, comme à la tata, donc en menu 4, donc vraiment plus badass de chez badass. Je crois que coca et fruits pour faire des gros porcs. Et encore pareil, grâce au pass annuel, on économise 5,10€. Encore une fois, pour 5€, donc c'est plutôt pas mal. On économise beaucoup. Donc maintenant on va manger, puis on va faire quelques attractions et vous filmer un peu le reste. Donc voilà, là je vais manger comme un gros porc, je pense. C'est pas grave, on fera avec, hein. C'est déjà pas mal. Voilà, donc là on a tout terminé, dommage qu'il pleuve, donc du coup j'ai dû ranger l'appareil. Mais du coup là j'ai même pu acheter le serre-tête Tiki Tac de 30 ans, donc j'ai 25 et 30 ans, donc je suis content. La prochaine fois que j'irai, je mettrai les deux, je serai content, toujours, bah, je dis beaucoup dit content. Du coup là on va dire au revoir du coup sur le Paris, on va aller faire les derniers achats au Disney Village et puis on rentre. Voilà, donc bah, c'est le deuxième jour. Merci à Disney et puis bah on se retrouvera plus tard. Allez, je prends une dernière fois l'hôtel Marvel. On va aller faire ce qu'il faut qu'on fasse.
récupérer les bagages, voir si on a des achats à faire, voir un peu encore une dernière fois l'hôtel pour profiter, surtout parce qu'il fait froid et qu'il pleut, du coup bah, on va rester au chaud. Et puis bah, à bientôt, dans une heure et demie, on retourne à la gare pour rentrer à la maison. Et un peu dégoûté quand même, parce que franchement, c'était... Je suis un peu dégoûté. Oui, mais je suis contente parce que je vais retrouver ma fille. Oui, mais bon, c'est... Voilà. Franchement, c'est à d'y retourner. Non, franchement, je pense que si j'y retourne un jour, c'est plus jamais deux jours et une nuit. J'aimerais bien maintenant que ce soit deux nuits et trois jours. Parce que maintenant, c'est trop, ça passe trop vite. Bah, tu paieras le supplément. Bah, je paierai le supplément. Qu'est-ce que je te dis, hein. Donc là, finalement, on fait du coup ce qu'il n'était pas prévu de faire. Ah, c'est le décor penché. Enfin, le décor penché, ça va, c'est pas vendredi, tout est permis, mais bon, c'est... C'est la chambre. C'est la chambre où tu prends la pause. Genre t'es comme si t'étais sur, bah, sur un plafond en fait. Hein. Tu prends la pause. Attends. Hein. Attends. Ah, j'essaie d'avoir le bon plan mais je peux pas. Bon tant pis, c'est pas grave. Parfait. Mais c'est comme si t'étais par terre, voilà. Parfait. Au moins t'as pris la pause. Entre, alors soit t'as le Dr Strange, soit t'as Thor. Alors là franchement j'ai donné envie. Sur le symbole. Et prenez le parti. Prenez et partagez une photo. Waouh. Vas-y montre-nous ta force. Normalement il y a un petit bouton non, un truc comme ça. Non. Alors pourquoi parfois ça fait fou, ça fait le... C'est bon. Bah, je peux plus penser qu'elle allait avoir. Est-ce que j'ai vu la dernière fois il y avait des flashs? Bah, ouais, vas-y, vas-y, prends en vidéo, c'est bien. Voilà, il y a des gens qui sont. C'est bon, continue. C'est le comble, hein. T'aimes pas Docteur. T'aimes pas Docteur Strange, mais. Parfait. Ah n'empêche il est quand même beau avec les lumières et tout, ça donne un bon rendu. Allez. Ah en plus on a un challenge qui est Spider-Man. Ça c'est top ça aussi. Et du coup ça c'est quoi ça? Ah ça c'est le placer le symbole. Ah ça c'est Iron Man, ça tu vas kiffer. Parfait. Mais en vache, il est stylé celui-là. Je suis pas Iron Man, je suis Bouffe Iron Man. J'ai pas pris la photo, hein. Ah, t'as pas pris la photo? Mais avance. Ah, chaud. Ah, putain. Je sais pas, tu veux que je... Bah, prends une pause, on s'en fout. Thank you.
ça. Bah ça change rien en fait. Ah c'est toi en fait qui se place là pour prendre la photo. Non c'est toi qui dois t'installer là pour la photo. Non j'ai compris, c'est bon. Bon bah du coup on a fait le tour, hein. On va faire le reste. En tout cas c'est bien sympathique. Et maintenant, and now, Disney Illuminations.